Après avoir découvert cette recette, je ne fais du poulet que maintenant. Pour commencer notre recette d'aujourd'hui, nous allons utiliser 5 cuisses de poulet. Avec l'aide d'un couteau, nous séparerons complètement la partie de la chair des os. De cette façon, la préparation sera plus facile. Cette recette est parfaite pour les jours où vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer un dîner, en utilisant peu d'ingrédients et prêt en quelques minutes. Maintenant, nous allons mettre les cuisses de poulet dans un récipient. Ensuite, nous utiliserons 2 cuillères à soupe de sucre brun, 3 gousses d'ail, 1 demi-cuillère à café de poivre noir, 3 cuillères à soupe de sauce soja, plus le jus d'un demi-citron. Et pour finir, nous utiliserons du persil au goût. L'idéal est alors de bien mélanger jusqu'à ce que vous ayez ajouté les ingrédients à toutes les cuisses de poulet. Maintenant, dans une casserole, nous ajoutons de l'huile d'olive, puis toutes les cuisses de poulet déjà assaisonnées. Avant que j'oublie, dis-moi de quelle ville tu nous regardes pour te faire un câlin. Le câlin d'aujourd'hui va à Sylvie Mayala. Je suis content que vous aimiez nos recettes. Une fois doré d'un côté, nous tournerons à la même couleur des deux côtés. Je suis sûre que toute votre famille va adorer les cuisses de poulet préparées de cette façon. Une fois que vous êtes à ce point, nous pouvons retirer de la casserole et puis réserver. Maintenant, dans une autre casserole, nous allons ajouter une cuillère à soupe de beurre et laisser fondre à feu doux. Ensuite, nous allons utiliser un peu plus de persil, la quantité reste votre choix, si vous préférez vous pouvez même utiliser la ciboulette aussi. Avec une spatule, nous allons bien mélanger. Maintenant, ajoutons à nouveau les cuisses de poulet. Cela est devenu l'une de mes recettes préférées depuis la première fois que j'ai essayé. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer, il est très facile et pratique de se préparer. Pour finir, je vais laisser cuire encore 5 minutes. Et notre recette est prête, regarde comme elle est délicieuse. Enseignez à votre ami qui aime beaucoup manger du poulet, je suis sûre qu'il l'aimera et même le fera souvent chez lui. J'espère que vous avez aimé cette recette. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous verrai dans la prochaine vidéo, au revoir.